7 6 5 4 3 2 1 0 Bonsoir tout le monde. Alors on dit que le public des Francofolies est un des meilleurs du monde. C'est le moment de le prouver parce qu'on est en direct sur France 2. Donc ça serait bien d'accueillir les téléspectateurs en leur montrant qu'on est capable de faire du bruit à La Rochelle. S'il vous plaît. Bon, vous avez vu à la télé ce qui se passe ici, un 14 juillet bien particulier. Et en fait, je voulais vous dire, partager avec vous le fait que j'ai une relation assez particulière avec le 14 juillet, puisque le premier concert que j'ai fait, c'était un 14 juillet. Et puis, beaucoup de concerts importants dans ma vie se sont déroulés le 14 juillet. Quand on m'a proposé de faire justement, Gérard Pont, le grand ordonnateur de ce festival des Francofolies, m'a proposé de faire ce concert pour le 14 juillet, je me suis dit, c'est un de plus, et je me suis demandé pourquoi. Et au fond, je pense que ça vient, cette relation mystérieuse que j'ai avec cette date, tout simplement, avec, je pense que ça vient de ma mère, qui s'appelait France. Alors je voudrais lui dédier ce concert, et en même temps, à toutes les vôtres, à ma mère et à toutes les vôtres. Bon concert ! Merci.
Thank you.
Alors je voudrais vous présenter dès maintenant les musiciens qui sont avec moi ce soir et d'ailleurs tous les autres soirs dans les concerts en ce moment. À ma droite, c'est-à-dire à Jardin, le grand et inimitable Claude Samar au clavier, synthétiseur, percussion basse. Ça, c'était bien comme essai, c'était bien. Et on peut faire beaucoup mieux quand même. Allez. Et côté court, au clavier, didgeridoo, violon électrique, basse, guitare électrique, l'unique et talentueuse Adieska Chase. Adieska. Please. Wake up.
Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous savez comment on appelle cette rampe en anglais? Ça s'appelle une égo-rampe. C'est pour l'ego des artistes. C'est pour qu'ils puissent se sentir vraiment à l'aise au milieu de vous. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est effectivement d'être au plus près. Donc c'est pour ça que j'utilise un peu quand même. Et en fait, cette édition des Francofolies est assez particulière puisqu'elle met en valeur deux secteurs de la musique. Un, la musique électronique, rappelons-le, qui est française, qui est née ici en France, qui n'a rien à voir avec le blues, le jazz ou le rock. Et puis la chanson française. Et il se trouve que moi, dans ma vie, effectivement, j'ai fait pas mal de musique électronique et aussi pas mal de chansons. Et c'est le moment aussi de rendre hommage un peu aux Francofolies, à ce parcours sur 40 ans extraordinaire de défrichage des nouvelles chansons. J'ai un lien en plus particulier avec les Francofolies, puisque l'hymne des Francofolies, c'est la Dolce Vita, que j'ai écrite pour Christophe. Donc ça fait beaucoup de liens. J'ai aussi une pensée pour notre ami François Hardy, avec qui j'ai travaillé avec bonheur. Et puis, je me suis dit que pour cet anniversaire, il serait bien aussi de rendre hommage à la chanson française, notamment avec mon ami et complice Christophe. Et j'ai demandé à une artiste que j'adore de venir me rejoindre sur scène pour les mots bleus que j'ai écrits pour Christophe. À un certain moment, dans une version électro. Et donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement la disruptive et, je dirais, absolument inimitable Zao de Sacazan. Devant une phrase
On a envie, les Franco et moi, de te dire tous les mots bleus. Nous t'aimons. Moi aussi. Thank you.
Là-bas aussi, on vous entend pas beaucoup au fond. J'ai rencontré il y a quelque temps un personnage fascinant qui était le premier lanceur d'alerte, un Américain, qui en fait nous a prévenu, le premier, des dangers de l'espionnage informatique, du fait qu'on puisse rentrer dans nos vies privées. Et c'est quelqu'un qui a risqué sa vie pour nous prévenir. C'est une sorte d'héros moderne, il s'appelle Edward Snowden. J'ai eu la chance de le rencontrer. Oui, je pense qu'on peut l'applaudir. Et en fait, c'est un fan d'électro. On a fait un morceau ensemble qu'il a baptisé lui-même Exit. Donc il est toujours en exil aujourd'hui. Je pense à lui et je lui dédie ce morceau, qui est aussi le nôtre. Transmitted online. Why are private details stored in our personal devices any different than the details in our private journals? Private journal. I think, you know, saying that you don't care about privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about freedom of speech because you have nothing to say.
It's a deeply antisocial principle because rights are not just individual, they're collective. And what may not have value to you today may have value, you know, to an entire population, an entire people, an entire way of life tomorrow. And if you don't stand up for it, then who will? And if you don't stand up for it, and if you don't stand up for it, then who will? And if you don't stand up for it, then who will? I'm
Merci. Tout va bien? On continue?
Merci les Franco, merci. Merci à tous. C'est toujours le moment le plus délicat de la soirée parce que je ne sais jamais comment ce qui va se passer va se passer en réalité. Alors, mon ami Hansar qui est en bas là essaye de faire marcher cet instrument qui s'appelle une harpe laser et qui en principe devrait fonctionner. On va essayer ça tout de suite. Ça a l'air de marcher. Thank you.
Merci à tous. Et un grand merci aux Franco. Vous êtes super. Merci à France Télévisions aussi. Et à tous ceux qui nous regardent. Faites du bruit. Et donc, je voudrais aussi faire des remerciements particuliers à toute l'équipe des Franco qui se battent contre vent et marée. Enfin, pas trop de marée ce soir. Et mais pour arriver à faire que ce festival existe et non seulement existe mais se développe et notamment à notre ami Gérard Pont qui est c'est le cofondateur des Franco, je voudrais qu'on l'applaudisse et qu'on applaudisse toute l'équipe de ce festival et puis aussi le fait que on puisse éventuellement accueillir Gérard Pont qui me surprend en arrivant derrière moi. Monsieur Gérard Pont. Approchez-vous. Plus près. Mérène, il va y avoir du...